De vous retrouver aujourd'hui avec une invitée très spéciale. Allô tout le monde! C'est ma fille Laurence Brooks, youtubeuse, ma mentor de YouTube. Ouais, Laurence... je suis sur YouTube depuis 2 ans maintenant. Donc Laurence a sa chaîne, on va mettre le lien. Ouais, dans la barre d'infos. Allez vous abonner, lui donner du love. Si ça vous tente. Ben oui, quand même, allez voir. On a fait une vidéo ensemble sur ma chaîne, on va vous mettre ça dans la barre d'infos. Oui. Donc aujourd'hui, je reçois Laurence pour que tu nous parles de ton hypersensibilité. Tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible et empathe aussi, hein? Ouais, moi c'est vraiment plus empathe que le côté hypersensible. C'est sûr que l'hypersensibilité vient avec le fait d'être empathe, fait que je dirais que c'est pas mal les deux. Ok. Donc toi, Laurence, est-ce que ça fait longtemps t'en as pris conscience? C'est sûr que moi, bon, je suis ta mère, là. Je sais pas depuis que t'es bébé, parce que ça fait quelques années, moi, dans le fond, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, donc c'est récent. Mais toi, quand est-ce que tu as eu un déclic? Je dirais que c'est au cours des derniers mois. Je sais pas, peut-être le fait que j'ai... Parce que, tu sais, j'habite plus chez toi, maintenant, j'habite toute seule, à 5 heures de route. Le fait d'avoir comme une vague de, comme, de prise de conscience de plein d'affaires, de quête identitaire, de maturité aussi. Mais là, on dirait que j'ai vraiment essayé de comprendre qui j'étais, pourquoi j'agissais de certaines façons. Puis c'est vraiment venu graduellement. Je pense qu'à chaque fois que je t'ai partagé des choses que je me sentais différente ou insécure, mais tu m'as comme fait le déclic que c'était ça. Tu m'as amené les ressources. C'est pas moi qui ai pris conscience que j'étais empathe. C'est vraiment toi qui m'as dit « Ah, ben regarde, je te lance ces ressources-là dans le livre. » Le fameux livre. Survival Empath. Oui! Empath Survival Guide. Plein d'affaires de même. Tu m'avais envoyé des petits articles. Puis tu sais, genre, je repoussais tout le temps les lire puis tout, mais une fois que j'ai commencé à les lire, puis... c'est à prendre conscience de c'était quoi une empathe, puis moi j'étais comme c'est quoi cette affaire-là, ben j'ai réalisé que je l'étais, mais je dirais que ça fait vraiment juste quelques mois. Ok. Qu'est-ce que tu dirais pour toi, ben de quelle façon ça se manifeste le plus dans ta vie, d'être empathe? Des exemples concrets. Toutes. Toutes. Quelques exemples. Ça la fait tellement toute ma vie. Je sais que, c'est parce que l'empathe ça peut tellement se vivre, se ressentir de tellement de façons, genre. Fais juste donner quelques exemples dans le fond. Si vous voulez vraiment savoir, moi, tout ce que ça a fait, vous pouvez aller voir la vidéo justement qu'on a fait. On a fait le test pour démontrer comme à quel niveau je l'étais. Moi, je l'étais vraiment sur quasiment tout. J'étais un full blown empath. Mais moi, c'est vraiment, je sais pas tout, là. Justement, je suis sensible, fait que je réagis. Admettons les choses que je mange, ou les médicaments, le café, j'ai comme des addictions un peu. Je donne trop mon cœur aux gens, je me ramasse dans des situations avec des partenaires toxiques, dans les relations avec des gars, en amitié, je donne, je reçois rien avec les gens, j'absorbe les énergies des gens. C'est vraiment autant psychologique que physique parce que je ressens des choses en dedans de moi, j'ai beaucoup d'intuition, rêve prémonitoire, c'est ça. Plein d'aspects de ma vie, ça touche. Juste, ça serait long de faire la liste, là, j'ai tellement d'exemples en tête. C'est des bons exemples. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les côtés positifs d'être empathe? Mais moi, je dis tout le temps que j'ai des super pouvoirs. Je trouve qu'être empathe, c'est comme si, tu sais, quand t'es petit, t'écoutes tout le temps les émissions qui ont genre des pouvoirs, là, c'est genre des sorcières ou genre des super-héros, ben, ils sont comme spéciales, ils découvrent qu'ils ont comme une force ou quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Mais là, moi, je me sens ces temps-ci, les derniers mois, comme si. Genre, je découvre mon pouvoir, j'en prends conscience, puis en ce moment, ça va pas toujours bien parce que je suis pas encore capable de le contrôler. Puis là, il arrive plein de mes aventures, c'est legit comme une émission, là, comme Laurence qui prend, genre, conscience de ses pouvoirs. Mais moi, je vois ça super positif du sens que je suis capable de ressentir, puis de voir des choses que les gens sont pas capables de ressentir, puis de voir. Fait que c'est juste cool de voir le monde d'une autre façon. Depuis que je prends conscience que j'ai ça, je suis encore plus capable de... mettre à bout mes pouvoirs. Puis même toi, tu dis tout le temps que mes pouvoirs, ils vont prendre une ampleur assez forte. Là. Oui, parce que tu en as pris conscience jeune. Parce que moi, tout, dans les lectures que j'ai faites, je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui,
à 30 ans, 40 ans, parce que bon, il y avait moins de littérature, il y avait moins de livres là-dessus, ouais. Il y a une couple d'années, fait que là, c'est comme toutes les recherches qui ont été faites sur l'hypersensibilité, quand tu lis, c'est ça. Donc toi, si déjà en partant à 18 ans, tu fais comme, ah mon Dieu, ok, ouais. Je suis comme ça, ok. Oui, oui, bon. J'essaie déjà de trouver des façons de comme le pouvoir en tirer avantage au lieu que ça soit quelque chose de négatif dans ma vie. Ok. Maintenant, j'aime savoir, j'appelle pas ça des côtés négatifs, mais qu'est-ce qui est plus un défi pour toi d'être empathe? Peut-être que ça se répète un peu, mais tu sais, juste de... Les défis, ben c'est sûr, c'est difficile de... avec les autres. C'est difficile d'être compris. Les relations. Ouais, les relations. C'est juste difficile parce que j'ai tellement un tempérament difficile à saisir qu'avec n'importe qui se met à entrer intimement dans ma vie, ben c'est difficile de dealer avec moi parce que même moi, je suis pas encore capable de dealer avec le fait que je suis empathe. Je sais que quand je vais moi-même être capable de me comprendre et de dealer avec moi-même, les autres vont être capables, mais si je suis même pas capable de me comprendre, les autres seront pas capables. Puis, je sais pas, c'est vraiment au niveau de mon énergie, je sens que je peux m'épuiser super rapidement parce que je me laisse affecter par tout. Je sais pas, c'est comme un peu vague, je sais pas. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est juste qu'encore là, je pourrais m'éterniser sur plein d'affaires là, fait que je sais pas. Ouais, non, mais c'est correct. Mais là, je trouve que ça aide. Tu sais, on fait ces entrevues-là pour sensibiliser les gens. Ouais. Puis chaque personne que je rencontre a quand même ses défis personnels, tu sais, parce que. C'est... Moi, c'est vraiment, ouais, mes relations avec les autres. Je veux juste préciser. C'est ça, je veux juste préciser quand même, parce que tu parles de tes humeurs, parce que bon, peut-être présentement, t'as pas toutes tes stratégies encore, puis c'est normal, mais c'est même... C'est vraiment récent, là, tu sais, j'ai pas encore développé des stratégies, justement. Mais je te dirais que même moi, qui mets quand même plusieurs stratégies à l'essai, ou tu sais, qui est plus disciplinée, parce que bon, ça fait quelques années, mais c'est quand même une caractéristique chez les hypersensibles en pâte d'avoir des changements d'humeur dans la journée. Ouais. C'est dans la même heure. Dans la même heure. C'est sûr que... Dans la même seconde. De pas sentir... Tu sais, si les gens sont comme ça, de pas sentir que c'est anormal, c'est sûr qu'on essaie qu'il y ait le moins de grande variabilité, tu sais, parce que c'est difficile, là, pour les gens autour de toi, hein, comme tu dis. Oui. Mais au moins, si les gens autour de toi savent que c'est normal, là tu sais, c'est comme... Souvent, qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas un mode de vie normal, tu sais, comme... J'ai l'impression que le monde, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout manger, ils peuvent aller partout, pas dormir, faire ci, avoir un mode de vie comme... Mais moi, qui pendant toute la dernière année, essayé de suivre ce mode de vie-là, parce que je suis comme, mais là, tout le monde fait ça, genre moi aussi, je suis capable, mais j'avais pas conscience que moi, j'avais une condition particulière. Tu sais, on dirait que des fois, c'est comme un mini handicap, parce que je suis pas capable de, comme, de le gérer, de le contrôler, de... pis tout, fait que genre... En février, j'ai comme fait un mini burn-out puis tout. Fait que tu sais, j'ai juste vu, je le voyais négatif parce que j'étais comme crime, je suis pas normale, genre, je suis pas capable. Tu sais, pour eux, c'est bien normal, genre, faire le party tout le temps, être avec plein de monde, manger du McDo, boire du café à chaque matin. Puis moi, quand j'essayais de suivre ce mode de vie-là d'adolescent que tout le monde a, puis je me ramassais avec un burn-out puis j'ai jamais d'énergie, puis genre, tout le temps épuisé, puis j'étais comme crime, je peux-tu juste être normale? Ouais. Ouais. Des fois, c'est sûr que ça peut être frustrant, là. Ouais. C'était beaucoup de frustration, puis de. C'est ça, je peux-tu être normale, mais comme tu sais, c'est quoi être normale? Dans le fond, il faut juste que j'apprenne à embrace ma condition. Oui, c'est ça, juste faire un petit rappel, dans le fond, que la condition d'hypersensibilité touche 20% de la population, fait que c'est quand même. Ça concerne. T'sais, je le rappelle souvent dans les vidéos, parce que pour que les gens sachent qu'on est plusieurs comme ça, puis faut juste apprendre à avoir des stratégies justement pour. C'est ça. Mais tu sais, moi, c'est tellement récent que. Ouais. Ça sent bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques trucs que tu as ou des stratégies pour recharger ton énergie ou pour prendre soin de toi justement dans les moments où c'est comme trop là? Ben, ces temps-ci, j'essaie de m'isoler, même si pour certains ça a l'air quelque chose de négatif. Moi, je vois vraiment ça comme une recharge d'énergie. Justement, je me suis toute arrangée ma chambre de mon nouvel appartement pour que je me sente bien, que je me sente toute cosy, là, je sais pas comment dire en français, mais vraiment comme que ça soit calme, que ça soit à mon image. Puis j'ai vraiment besoin de prendre plus de moments de repos, de recul, quand je me sens plus stressée ou overwhelmed. Mais tu sais, parce qu'on dirait que c'est comme des remèdes à l'anxiété aussi, là, je sais pas si ça marche, en tout cas. Oui, oui. Je sais pas, là, je suis comme plein de... Je sais pas qui, là, je suis en pâte, hyper sensible, je suis d'anxiété, je suis hypochondriaque, fait que genre, mais I got everything, mais... Non, mais c'est tout le paquet. Je sais pas, je sais que le sport, ça m'aide, être proche de la nature, aller proche des cours d'eau, ou sinon passer du temps avec une ou un bon ami que je sais avec qui ça va, c'est naturel, c'est simple, juste pour que me sentir que c'est pas toutes mes relations qui sont
qui sont compliquées, tu sais, parce que souvent je me sens justement, toutes mes relations c'est compliqué, je me sens pas compris, mais tu sais, j'ai quand même des amis, je sais que quand je suis avec eux, je me sens, c'est juste simple, puis je me sens comme un ado normal, tu sais. Mm-hmm. Fait que juste, c'est ça, pas essayer de trop s'isoler, faire du sport, faire de la musique, moi, je pense que quand tu chantes et que tu joues du ukulélé, ça te fait du bien. Ça m'aide, ça m'aide stress. Oui, c'est ça. Ben, t'as quand même déjà beaucoup de stratégies, c'est bon? Ouais, c'est ça. Mais là, j'essaie de développer la stratégie d'essayer de me mettre une bulle. Ouais. Surtout à l'école, quand, tu sais, moi, en plus que je suis dans le métier, ben, dans le domaine des communications, c'est vraiment beaucoup de monde qui sont pas gênés, hein, puis qui prennent de la place, puis souvent, je me sens, sens envahie. Surtout, je sais pas, aussi, j'ai pas l'école en général, tu sais, j'en parle beaucoup, c'est sur ma chaîne YouTube, que l'école, c'est juste pas ma place. Je me sens pas, je sais jamais où me mettre, puis comment me sentir. Puis j'essaie de bâtir une bulle, comme invisible, il y a des stratégies pour ça. Puis j'aimerais ça développer des stratégies pour avoir plus ma bulle, puis aussi des stratégies pour comme toutes les comme addictions qu'on développe quand on est en pâte, là, comme la nourriture et tout ça. Ok, pour terminer, ben pour conclure l'entrevue, j'aimerais ça savoir si tu as un mot qui vient de ton cœur dans le fond. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme message aux gens pour qu'ils comprennent plus ou qu'ils nous comprennent plus? J'aimerais juste ça que vous preniez plus conscience de votre entourage parce que, tu sais, je pense que le fait d'être empath, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Ça s'en vient, tu sais, avec ta chaîne, puis des gens comme ça, il y a des articles, on peut trouver des livres. Tu sais, même moi, j'en avais pas conscience, il y a quelques mois, mais peut-être que vous-même vous l'êtes, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, ou juste qu'il y a une condition différente comme ça qui est plus sensible, ou peu importe ce que les gens ont, je trouve que dans notre société, on est tellement centré sur nous-mêmes puis on prend pas le temps de comprendre les autres. Fait que j'espère qu'avec cette vidéo-là, vous allez pouvoir comprendre puis faire que, ok, tu sais, avant de juger la personne parce que vous pensez qu'elle est bipolaire ou qu'elle est anxieuse ou qu'elle a un trouble de je sais pas quoi, parce que, tu sais, même moi, des fois, je me demande, ben là, je suis bipolaire, je suis anxieuse, je suis en dépression, je suis ci, mais dans le fond, c'est tous des effets de que je sois en passe. Puis aussi, tu sais, justement, je trouve ça le fun parce qu'avec tes entrevues comme ça, ça va pouvoir permettre aux gens de voir différents types d'empathes parce que aussi il n'y a pas deux empathes pareils. Tout le monde est différent, puis c'est tellement pas quelque chose qu'on est habitué d'entendre, puis tu sais, ça serait tellement facile justement si j'allais juste voir un médecin ou genre juste quelqu'un random de me diagnostiquer de plein d'affaires, mais comme tu sais, si vous prenez la peine d'ouvrir votre cœur puis d'essayer de comprendre ma situation puis la situation de d'autres gens comme ça, vous allez comprendre c'est quoi. Puis tu sais, le fait d'être empathe, ça se vit à plusieurs niveaux. Ça peut être juste un petit truc qui vous rend plus empathe ou plus sensible. Comme ça peut être moi, 10 000 caractéristiques que j'ai même pas pu toutes vous énumérer parce que c'est plein d'aspects. Depuis que je suis petite, ça se manifeste. J'étais petite, à la Saint-Jean, j'allais voir des feux d'artifice, puis je voulais mourir parce que je sais pas. Tu sais, je suis tellement sensible. Tu te rappelles-tu à la garderie, quand t'avais mal au ventre, celle qui prenait soin de toi, Manon. Elle me demandait à moi, bon, qu'est-ce qui se passe là avec toi? Parce que Laurence, c'est ça. Je me rendais pas compte à ce moment-là, mais tu captais mon mal-être, tu sais. C'est juste être empathe, c'est comme avoir des super pouvoirs. Puis j'espère que vous allez comme plus vous renseigner sur ce sujet-là, parce que une fois que au début, oui, si vous êtes empathe, vous découvrez avec cette vidéo-là ou avec d'autres vidéos que vous l'êtes. Puis, tu sais, moi au début, j'étais comme, oh man, je peux juste être normal, mais comme, après ça, vous réalisez que c'est insane parce que tu ressens à l'intérieur de toi tout ce que les gens autour de toi ressentent. Fait maintenant, je suis capable de savoir tous les gens de mon entourage, puis juste les gens qui font un petit peu partie de ma vie, comment ils se sentent, même s'ils sont loin de moi, je sais, hop, elle sent pas bien, hop, bah c'est. Je ressens tout, j'ai des intuitions, j'ai des rêves, je sais pas. Fait que juste. Je sais pas quel message je transmets parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais tu sais aussi, je veux juste que vous sachiez que si genre c'était dur pour moi de faire cette vidéo-là, puis tu sais, c'est difficile de s'ouvrir comme ça, ça me rend vraiment dans une position vulnérable parce que c'est tous les aspects que je travaille à chaque jour sur moi, puis c'est difficile d'être empathe, tu sais, mais je veux juste vous dire que, tu sais, justement, tu sais, j'aime pas ça parce que j'ai l'impression que si j'en parle, les gens vont pas me prendre au sérieux ou ils vont juste comme, justement, banaliser la situation ou comme faire là. C'est comme de la faiblesse. C'est du n'importe quoi, là, en pâte. Genre, c'est pas. Vu que c'est pas comme. Tu sais, si on vous avait fait une interview sur comme. Je sais pas, là, mon trouble de bipolarité, on dirait que ça aurait été plus crédible parce que c'est quelque chose qui est comme diagnostiqué par les médecins, mais comme. Tu sais, je trouve ça juste. Tu sais, je veux juste vous dire que désolée si j'ai eu l'air des fois un petit peu plus comme
bête ou froide ou distante dans cette vidéo-là. C'est juste que pour moi, c'est difficile de m'ouvrir parce que j'ai l'impression que toutes les fois que je me suis ouvert aux gens de mon entourage par rapport à ça, ils font juste comme, je sais pas, on dirait que personne essaie de me comprendre ou personne essaie de comprendre en général. Ou de... C'est ça, fait que... Puis ce qui arrive aussi, c'est que pour nous, c'est tellement facile de se mettre à la place de l'autre, même trop. T'sais, on va comme physiquement se mettre à la place de l'autre parce qu'on le ressent dans l'énergie que je pense que c'est difficile pour nous. De sentir qu'on n'est pas compris. Oui, mais comment ça que l'autre n'est pas capable, tu sais? Parce que pour nous, c'est très facile. Mais bon, c'est... Depuis plusieurs mois, je chantais que la seule personne qui me comprenait, c'était ma mère parce qu'elle vivait la même chose. Mais tu sais, des fois, j'étais mal là, tu sais. Tu sais, je pense que... Il y a beaucoup de jours où je me réveille et je me dis « Oh my God, genre, I wish que je sois normale. » Mais après ça, genre, au fil de la journée, ben je me dis que je suis juste contente parce que c'est un don là, qu'on m'a donné. Puis justement, ça touche... Tu sais, juste l'hypersensibilité, c'est 20%, mais les empathes, ça doit être quoi, 5%? Ouais, là, je sais pas, là, par exemple. C'est tellement, genre, c'est tellement, je sais pas, une condition spéciale que... Je sais pas... Ben merci Laurence vraiment d'avoir pris le temps avec moi ce matin. Pour moi c'est sûr que c'est très spécial. J'apprécie beaucoup ton courage d'avoir montré la vulnérabilité, ta vulnérabilité, justement parce que ça prend vraiment beaucoup de force et de courage pour le faire. Je sais. Donc allez suivre Laurence Brooks sur YouTube, mon mentor! Allez voir la vidéo qu'on a filmée, c'est un quiz pour savoir si vous êtes en pâte ou non. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci! Merci encore, Laurence!